Oh là, y a pas de place à titrer. Ok pour tout le monde. Merci à tous de votre présence. Conférence de presse de rentrée, de présentation du nouveau coach, Philippe Montagnier. Ok, on me l'avait prévenu, je me mets là, excusez-moi. C'est ok pour tout le monde. Les radios, c'est ok pour vous. Les télés, on est ok. Nous, en régie, on est bon. On peut commencer quand vous voulez. Président, bonjour à vous. Merci Martin. Bonjour à tous. Merci de vous être rendu disponible pour cette conférence de presse de présentation du nouveau coach, Philippe Montagnier. Avant de parler de Philippe et de ce recrutement, puisque je n'avais pas eu l'occasion de parler avec vous depuis la fin de la saison, j'en profite pour faire un rapide bilan de ce qui s'est passé la saison dernière, qui a été une saison incroyable d'un point de vue émotionnel, positive et puis extrêmement négative. Ça a été une aventure humaine fantastique, ça a été une saison spectaculaire parce qu'on a marqué 83 buts, toutes compétitions confondues. Malheureusement, on en a pris aussi beaucoup, ce qui nous a probablement coûté la montée. Quand on se retourne et qu'on fait le bilan sur un plan purement, du jeu, ce qui est clair pour moi, c'est que, enfin, pour nous en général au club, c'est que ce qui nous a coûté la montée, ce sont les matchs à l'extérieur où on a eu ce fameux trou, où on a pris deux points en 18 matchs. Au-delà du Covid, qui a été très difficile à gérer à la fin, bien évidemment, mais ce passage à vide sur ces 6 matchs, je pense, nous ont coûté la montée. Le match de Pau ici, qu'on n'a pas bien géré, parce qu'on marque, on mène 2 fois au score et on se fait reprendre. Je pense aussi qu'il nous a fait très mal. C'était en sortie de Covid, bien évidemment, donc le Covid ne nous a pas aidés. Et puis après, c'est pas la peine que je vous fasse un rappel de ce qui s'est passé à Nantes. Donc c'est pour ça que je vous parle d'émotions incroyables qu'on a vécues cette saison, du très haut jusqu'au très bas, jusqu'au plus bas du bas. J'ai jamais vu un vestiaire détruit comme celui-là, comme celui de... comme c'était à Nantes, quand vous avez 20 joueurs qui pleurent, le staff qui pleure, les dirigeants qui pleurent. C'était vraiment un truc incroyable, dans le mauvais sens, bien évidemment, mais ça faisait partie des émotions de la saison. C'est juste un très court et rapide bilan, un retour sur ce qui s'est passé la saison dernière. Comme j'ai dit aux joueurs ce matin, il faut apprendre de ce qu'on n'a pas bien fait. Et on a tous fait des erreurs, moi le premier, la saison dernière. Pour moi, ce que je retraîne le plus, c'est que justement, si on avait pris moins de buts, eh bien, on serait en haut. Donc il faut apprendre, il faut repartir. Et maintenant, il faut regarder vers l'avant et préparer la saison qui arrive. Donc par rapport à Philippe, bah, écoutez, on est très, 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 très content de l'avoir fait revenir au club. C'est ta troisième fois, du coup. Après joueur, entraîneur adjoint et maintenant entraîneur principal. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que contrairement à ce que j'ai lu, ce n'est pas été un long processus, parce que souvenez-vous qu'on a fini la saison pour moi le 1er juin, le temps qu'on se dise au revoir, etc. etc. Que derrière on a pris une décision par rapport à l'entraîneur précédent, Patrice Garand, et que la décision, on a eu une énorme réflexion avant de la prendre, et qu'on nous avons lancé la recherche qu'après ça. Donc environ, il y a à peu près 20 jours. Donc 20 jours pour trouver un entraîneur. Quand vous n'êtes pas préparé et que vous n'avez pas pensé à changer, c'est rapide. On a, à partir de là, eu un processus où vous nous connaissez maintenant un peu, qui était le plus scientifique possible, le plus précis possible, avant de shortlister. Nous avons parlé à beaucoup de monde. J'ai eu des discussions très très intéressantes avec plusieurs personnes, avec plusieurs entraîneurs. Ensuite, on a défini une liste de 3 et ces 3 personnes ont été vues plusieurs fois par plusieurs personnes du club. En fait, ça faisait un petit moment qu'on avait choisi Philippe, ça je ne te l'ai pas dit, mais ça faisait un petit moment qu'on l'avait choisi. Mais en fait... On voulait que tu rencontres plusieurs personnes du club et puis on voulait aller à fond dans la réflexion, être
le plus détaillé et faire une étude la plus approfondie possible avant de prendre la décision. De notre côté, on a un staff de très haut niveau et formidable qui a préparé la saison depuis très longtemps. Donc, je n'étais pas inquiet sur notre niveau de préparation par rapport à la nouvelle saison. Je n'étais pas inquiet par le fait que l'entraîneur pouvait arriver la veille ou l'avant-veille de la nouvelle saison. D'ailleurs, c'est une des choses que Philippe nous a dit quand la deuxième fois ou la troisième fois qu'on l'a vu. Il nous a dit, vu votre niveau de préparation pour un entretien d'embauche et tout ce que vous nous montrez pour votre organisation du club, je suis sûr que vous êtes organisé pour ce qui arrive, et bien sûr on l'était. Donc tout était en place, de la préparation au stage, aux matchs amicaux, aux tests médicaux, etc. etc. Donc c'est pour ça que je n'étais pas inquiet si l'entraîneur arrivait la veille ou l'avant-veille. Et sachant que, connaissant la passion de ces personnes-là, et notamment celle de Philippe pour le foot, pendant tout le processus, à partir du moment où on a commencé à discuter, je savais qu'il allait regarder tous les matchs de la saison dernière et connaître tous nos joueurs, etc. Et c'est ce qui est avéré, parce que quand tu es arrivé mardi soir, tu m'as décrit le match de Dunkerque, chaque joueur, etc. etc. Donc je savais que Philippe allait arriver en ayant une excellente connaissance de notre effectif et de nos joueurs. Pourquoi Philippe ? Pour deux raisons principales. La première, pour l'homme, parce que il a une réputation qui n'est plus à faire. Et pour nous, avoir quelqu'un sur un plan humain qui corresponde à nos valeurs, qu'il connaît, bien évidemment, puisqu'il a été déjà deux fois au club, qu'il connaît et qui correspond exactement à ce qu'on cherche, c'était extrêmement important. Et le deuxième aspect, c'est quelqu'un qui développe un style de jeu qui est complètement en raccord avec la culture et l'identité du club, c'est-à-dire tourné vers l'avant, c'est-à-dire attractif, c'est-à-dire offensif, c'est-à-dire agressif sur un plan défensif, qui ne subit pas. C'est le style de jeu qu'on recherchait. Tous les entraîneurs que l'on a rencontrés, on a essayé de recentrer sur ce style de jeu. En fait, dans notre processus de recrutement, on est parti du style de jeu qu'on voulait et on est très très précis dans ce qu'on veut. On a regardé quels entraîneurs correspondaient à ça et à partir de là, on a shortlisté. Et Philippe est ressorti dans toutes ces catégories-là. Donc, ce sont ces deux raisons qui font que Philippe est aujourd'hui l'entraîneur du TFC. Et bien évidemment, on est absolument enchanté pour son arrivée. Avant, je crois qu'on l'a dit hier, mais juste pour rappel, c'est un contrat de 2 ans. Voilà. Si vous avez des questions pour Philippe ou pour moi, c'est avec un grand plaisir que nous y répondions. Peut-être pas avec grand plaisir, mais on va y répondre. Si on n'a pas, c'est pas grave. Exactement. Déjà, la réaction de Philippe, son arrivée. Oui. Votre réaction sur votre arrivée, déjà. Bah, écoutez... très heureux pour deux choses. Alors c'est vrai que ça remonte avant 45 quand j'ai joué. Non, c'était en 94-97. Donc j'ai un très bon souvenir de mon passage ici comme joueur. Après j'étais revenu avec Robert Nouzaret comme assistant, comme adjoint. Mais il y a eu des problèmes financiers au club, etc. C'est une période vraiment très, très noire pour le Toulouse Football Club. Et le fait de revenir à Toulouse, c'est une région, une ville que j'aime bien. Il y a un club, comme dit le président, avec lequel j'ai toujours eu des affinités. Et puis après, le projet que m'a présenté le président était pour moi très attractif, aussi novateur. Et c'est ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est de... Le football est tout le temps en constante évolution et nous, on doit bien sûr sans arrêt s'adapter, innover également. Donc, ravi de faire partie de ce projet-là et puis d'être dans ce club, dans cette ville. Serge Djian, France 3, une question pour le président. Monsieur Comelli, est-ce que le choix de l'entraîneur s'est fait aussi en fonction de la décision de la Ligue et de la DNCG du maintien ou non en Ligue 2 du TFC ? Non, absolument pas. Olivier Jobin, notre directeur général, m'a dit il y a une dizaine de jours à peu près qu'il y avait des articles qui étaient sortis dans ce sens-là. C'était absolument indépendant.
C'était juste l'entraîneur qu'on voulait. On voulait faire le bon choix. Et ça s'arrête là. Bonjour, Alexis pour Toulouse FM. On a parlé justement d'un contrat de 2 ans pour vous, coach. Est-ce qu'il y a un projet et une intention de s'installer dans la durée? Il y a d'abord, j'imagine, une volonté de remonter le plus rapidement dans l'élite. Et pourquoi pas voir plus loin? Vous êtes ici, quasi chez vous. Est-ce qu'il y a vraiment une intention de rester le plus longtemps que possible, ou c'est vraiment une manière pour vous de rebondir? Non, lorsqu'on signe, moi particulièrement dans un club, j'y travaille comme si j'allais y rester 10 ans. Mais je sais que le foot moderne fait qu'on peut y rester qu'un an ou 2 ans. Pour la petite histoire, quand j'étais à Boulogne-sur-Mer, j'y suis resté 5 ans, et c'était que des contrats de 2 ans, et on reproduisait d'un an en un an. Mais le contrat n'influence pas sur ma manière de travailler, et moi je travaille comme si j'allais toujours rester 10 ans dans le club, et c'est ce qui m'intéresse aussi de bâtir dans un club à chaque fois qu'on passe dans un club. Une question un petit peu pour tous les deux. Judith Soula, via Occitanie, le groupe La Dépêche. Président, quel objectif avez-vous défini avec Philippe pour la saison à venir? Alors, je vais... Le maintien dans les 2 premières places. Alors, celle-là, elle est de Philippe, elle n'est pas de moi. Il vient de la sortir quand on était dans le bureau. J'aime beaucoup. Olivier et Joubert rigolent. Alors, je vais vous dire, franchement, on n'a à aucun moment parlé d'objectif. Entre Philippe et moi, on a parlé de jeu. Entre Philippe, moi et tous les gens qu'il a rencontrés avant qu'ils viennent, parce qu'il a rencontré beaucoup de monde. On a parlé de jeu, on a parlé de fonctionnement, on a parlé de processus de travail, on a parlé d'identité, de culture, on a parlé de style de jeu, qui sont pour nous tous ces éléments qui sont pour nous extrêmement importants. Mais on n'a pas du tout parlé d'objectifs. Et ce matin, j'ai parlé aux joueurs et je leur ai dit que ce n'était pas le temps de fixer des objectifs. Voilà, donc... mais bon, j'aime bien le maintien dans les 2 premiers. C'est quelque chose... Je pense qu'on va le réutiliser plusieurs fois. Et vous avez parlé effectif, pardon. Recrutement. De notre effectif? Oui. Oui, on a fait... on en a parlé... au moins 2 ou 3 fois pendant le processus de recrutement de Philippe et puis depuis. Voilà, comme tous les clubs en début de saison, et surtout en raison de la situation économique du foot français et encore plus en L2, y a énormément d'incertitudes. Notre objectif, c'est toujours le même sur ce plan-là. C'est de construire une équipe qui est extrêmement compétitive. C'est de faire un mix entre nos jeunes du centre de formation et des joueurs qu'on prend de l'extérieur. Je trouve que la formule que nous avons appliquée l'année dernière, enfin la saison dernière, sur les 2 mercato que l'on a fait, est la bonne formule, parce qu'on a prouvé qu'en investissant de manière juste, de manière intelligente, en regardant des marchés qui sont peut-être différents que ceux qui sont regardés normalement par le foot français, on pouvait monter une équipe extrêmement compétitive. Les jeunes du centre ont prouvé qu'ils étaient extrêmement compétitifs. On avait l'équipe la plus jeune de L2. Voilà, donc ça sera la même formule que l'on va appliquer, parce qu'on y croit énormément et parce que... J'allais dire une bêtise qui va encore me faire suspendre, mais parce que si tout s'était pas bien passé à Nantes, ben avec cette formule-là, on serait à L1. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on y croit énormément. Avez-vous déjà ciblé justement sur le mercato des postes, des profils de joueurs que vous aimeriez attirer en priorité? Alors, on a même ciblé des noms, parce qu'on pouvait... On ne pouvait pas attendre l'arrivée de l'entraîneur avant de commencer à bosser. Donc, en fait, pendant toute la saison dernière, enfin, je dis toujours la saison dernière, la saison n'est pas finie, mais sur le papier, mais toute la saison dernière, on a travaillé avec une hypothèse L1 et une hypothèse L2 dans le recrutement. Donc, dès qu'on a su qu'on était en L2, on a enclenché un processus de recrutement sur plusieurs joueurs. On a en ce moment... fait des offres pour 5 joueurs. Donc j'en ai parlé un peu avec Philippe, mais rapidement, en fait, un peu partout sur le terrain.
Voilà, donc on va rentrer plus en détail avec Philippe sur les noms, etc. Mais comme on s'est dit quand on a discuté ensemble, à partir du moment où on prend un entraîneur pour son style de jeu, les joueurs qu'on va prendre, il faut qu'ils correspondent au style de jeu que veut mettre en place l'entraîneur. Donc là-dessus, j'ai pas de doute que, et parce qu'on en a parlé beaucoup, qu'il y aura une totale synergie. Bonjour, Patrick Després, La Dépêche du Midi. Vous aviez dit que vous essayeriez de faire un marché, un mercato plus francophone. Les offres que vous avez faites aux joueurs, par exemple, ça va dans ce contexte et dans ce style-là? C'est 50-50, donc oui. Mais encore une fois, la saison dernière, et en janvier, on a pris Sébastien, qui était francophone, et Nathan Skita, qui ne l'est pas. Mais la saison dernière, c'est pas qu'on avait une volonté d'aller à l'étranger. C'est juste que quand j'appelle un club français qui me dit mon milieu de terrain, c'est 5 millions d'euros, et qu'en face, j'ai Brecht ou Branco ou Spiering qui valent même pas un dixième sur le marché, même pas un 10%, je veux dire. Voilà, la décision est vite prise. Et je pense que vous avez vu tous les matchs de l'année dernière. Donc je pense qu'on a montré que ça marche. Voilà. Maintenant, c'est sûr que notre premier marché, on regarde toujours en France. On a pris Cerber en janvier à 7. Et donc c'est aussi un marché qu'on regarde, le marché français, on regarde le national, on regarde la L2, on regarde la L1. Mais le problème, c'est qu'on est Toulouse et que quand on approche des clubs, ils nous attendent avec des mitraillettes. Et donc, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. On peut savoir où en sont les dossiers Bayo et Moreira? Alors, Steven est en fin de contrat, donc au 30 juin. Donc, pour nous, c'est plus un joueur du TFC. J'ai essayé de le prolonger. Je lui ai fait une offre, mais on était vraiment trop loin dans ce à quoi il aspirait et ce qu'on peut réalistiquement payer en L2. Donc je regrette, mais c'est comme ça, ça arrive. Et Bayo, en fait, la balle est un peu dans son camp. J'attends une réponse de lui, en fait. Voilà. La dernière fois où on s'est parlé, c'était le jour où tout le monde s'est dit au revoir. Il m'a dit qu'il voulait rester. Depuis, j'ai eu beaucoup de conversations avec son agent. Je l'ai laissé tranquille parce qu'il était en équipe nationale et puisqu'il a besoin de vacances. Mais j'attends sa réponse. Mais bien évidemment, on en a parlé hier avec Philippe, je crois. C'est un joueur que Philippe aimerait énormément avoir dans l'effectif, et moi aussi. Ce serait sous la forme d'un nouveau prêt, non? On avait une option d'achat qu'on n'a pas levée parce qu'elle était trop importante pour la L2. Donc c'était quelque chose qu'on pouvait envisager qu'en L1. Je ne sais pas si le Celtic le reprêterait parce que sa situation contractuelle est un peu nébuleuse. Donc je ne sais pas si le Celtic le reprêterait, mais nous on est prêt à le reprendre. Après, sous quelles conditions et sous quelle forme de transfert, je ne sais pas encore. Au niveau des autres départs, on parle souvent d'Amine qui était là ce matin. Qu'est-ce qu'il en est justement du dossier Adli? Il est là. Comme vous savez, il a une proposition depuis le mois de juillet dernier. J'ai essayé de le prolonger. J'ai dû avoir, je crois que j'en suis à 12 ou 13 réunions pour essayer de le prolonger. Il a pas voulu, ce que je trouve extrêmement regrettable, mais que je respecte d'un autre côté, parce que c'est quelqu'un qui s'est très 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 bien comporté toute la saison, quelles qu'aient été les sollicitations. Et je me souviens que la veille du match de Clermont, ici, il y avait une approche très forte, il y avait beaucoup de pression sur lui, et il avait fait un super match. Et donc son attitude n'a pas changé pendant toute la saison, donc ça il faut le dire, il faut le souligner. Voilà, si votre question c'est est-ce que j'ai des offres, j'en ai aucune. Il y a beaucoup de coups de fil, mais il n'y a aucune offre. Monsieur Montagnier. Alexis, toujours pour Toulouse FM. J'aimerais savoir pourquoi Toulouse, pourquoi maintenant le club est en Ligue 2. On sait que vous avez un palmarès qui peut-être vous aurait permis d'aller voir un peu plus haut. Alors pourquoi avoir choisi de coacher ici et en Ligue 2? Le plus grand attrait, c'est le projet.
Pour moi, c'est un club, bien sûr, qu'il faut accéder en Ligue 1, mais j'ai le sentiment que si on y arrive, le club sera aussi armé pour continuer sa progression. Aussi les hommes, parce qu'on choisit souvent les projets en fonction des hommes, et c'est vrai que le contact avec le président a été fort, et puis avec ses collaborateurs aussi. Donc voilà, je crois beaucoup d'abord aux hommes, et puis au potentiel du projet, et puis je trouve que c'est un projet où je me retrouve, et moi j'ai besoin de ça pour m'épanouir. Dans quel secteur du jeu vous souhaitez des renforts? Bon, on va voir ça avec le président. Déjà, faut que j'ai, même si j'ai vu beaucoup de matchs du TFC, on sait qu'il va y avoir quelques départs. On sait qu'il y a des jeunes que je voudrais voir, parce que le premier recrutement, pour moi, il doit être dans l'académie. Et en fonction de ça, on pourra déterminer exactement les postes qui vont être importants. Mais avant, je veux me donner un tout petit peu de temps pour bien connaître l'effectif, surtout les jeunes du centre de formation, parce que je me suis aperçu quelquefois, il y avait quelques très bonnes surprises et qu'il n'était pas besoin d'aller très loin pour aller chercher à renforcer quelques secteurs. Rebonjour. Est-ce que ça a compté le fait que vous reveniez chez vous, finalement ? Ouais, il y a un petit attachement quand même à cette région. J'ai encore beaucoup d'amis, que ce soit à Toulouse ou même dans le Gers. C'est pas que, parce que c'est le projet sportif qui a dominé, mais à la limite, après, c'est la cerise sur le gâteau, que ce soit à Toulouse et dans cette région que j'affectionne particulièrement. Il y a beaucoup d'anciens gardiens qui sont entraîneurs. À Toulouse, il y en a eu beaucoup. Le dernier en date, c'était Alain Casanova. Ouais. Ils disent tous qu'il y a une vision particulière, justement, quand on est gardien, on observe tous les autres. C'est également votre point de vue ? Oui, c'est vrai qu'on a... Il y a deux choses. Il y a la vision et le commandement de sa défense, voire au-delà. Mais finalement, en Ligue 1, en Ligue 2, il n'y en a pas tant que ça, parce que souvent, on est amené, j'étais un de ceux-là, et Alain aussi, à aller dans la continuité d'entraîneur des gardiens, parce que c'est une vraie confrérie, puis on a envie de... C'est le prolongement un peu de sa carrière. Et il y en a très peu qui passent le pas entraîneur numéro 1, entraîneur principal. Mais c'est vrai que bon, moi, j'ai une formation d'éducateur au départ, de prof de sport, donc j'ai toujours été dans la transmission et c'est venu naturellement. Vous parliez du staff, justement. Je crois qu'il y a un nouvel entraîneur des gardiens aussi qui arrive. Un nouvel entraîneur des gardiens qui sera annoncé prochainement. Ouais. C'est sorti, alors. Mais oui. Comme le nom est sorti du côté du Nord, ça sera Eric Alibert qui nous rejoint, qui nous rejoint en tant que champion de France. Et entraîneur d'un des gardiens de l'équipe de France. Si je dis gardien de l'équipe de France, Hugo m'a hurlé dessus, Hugo Loris. On est évidemment enchanté de le recruter. Max est enchanté aussi, Max Dupé. Voilà. Donc on y est, d'autres changements au niveau du staff? Donc il y a l'arrivée de Michael Debève comme adjoint que Philippe a choisi, ou le retour, c'est le double retour en fait. On a l'ADN du club en nous. Voilà, exactement. Donc l'entraîneur des gardiens. Et puis on a un nouveau team manager aussi, parce que Panchi a désiré changer d'orientation, à mon grand regret, parce que je voulais absolument qu'il reste au club. Parce que c'est quelqu'un que j'ai apprécié énormément sur un plan humain et sur un plan professionnel. Il a désiré changer ce qu'on regrette, mais qu'on respecte. Donc on a essayé de l'aider. Donc on a fait venir un nouveau team manager qui s'appelle Mathieu Losada, qui a une expérience énorme malgré son jeune âge, qui a travaillé au Celta Vigo, à Aston Villa, et qui était team manager en Moucron, qui a pris ses fonctions également. Et puis je crois que c'est tout. Alors, excusez-moi, je suis un peu bête peut-être. Le rôle exact du team manager, c'est quoi ? Alors un team manager, ça dépend des clubs, mais en fait chez nous, le team manager, il gère toute la logistique autour de l'équipe professionnelle, des déplacements, aux horaires d'entraînement, aux hôtels, les repas, les fiches de menu qu'on envoie aux hôtels, à quel étage on veut rester dans les hôtels. À quelle heure on part, etc., à quelle heure on s'entraîne. C'est aussi le relais de la courroie de transmission entre le coach et le groupe professionnel sur tout cet aspect logistique, justement. Il gère aussi les intendants, il gère aussi
toute la partie accueil des joueurs et service de conciergerie, entre guillemets, que l'on a au club. Parce que quand on a beaucoup de joueurs étrangers, il est très important que le joueur, mais encore plus important, sa famille s'adapte correctement à la ville. Donc on a aussi un service, une personne qui est dédiée à ça, au club. Et donc ça fait partie cette personne fait partie du staff du team manager. Donc voilà, c'est un gros boulot. C'est une pièce essentielle de notre organisation. Et c'est pour ça que je regrettais énormément que Pansy s'en aille, parce qu'il le faisait très bien. Et comme je disais, sur un plan humain et sur un plan professionnel, il était absolument irréprochable. Voilà, en fait, c'est un peu ce que fait un team manager. Il a aussi la relation avec les arbitres et les délégués les jours de match. Et comme vous avez vu, il vaut mieux que ce soit lui que moi qui ait la relation avec les arbitres en ce moment. Voilà, c'est en gros, très, très rapidement résumé, c'est le rôle. D'accord. Je repasse du coq à l'âne. Au niveau mercato, au niveau départ, est-ce que vous êtes obligé de vendre vu la situation financière du club ou pas ? Oui, cette année, oui. On est obligé de vendre, mais écoutez, l'année dernière, on avait budgétisé un chiffre pour les ventes, on l'a doublé. Donc on est assez confiant par rapport à ça, d'atteindre nos objectifs. Mais quand je dis qu'on est obligé, enfin quand vous posez la question, est-ce qu'on est obligé de vendre, que je réponds oui, ça veut aussi dire investissement. Donc on ne vend pas pour se remettre à zéro et ne pas dépenser. On vend et puis après on va consacrer une part significative de nos ventes, du produit de nos ventes, pour réinvestir dans l'équipe. Le premier investissement, ce qu'on a fait, c'est de lever l'option pour Brecht et il va y en avoir d'autres. Donc on va vendre et on aura en même temps des moyens pour recruter des joueurs. C'est chiffrable le nombre d'arrivées, le nombre de départs et les chiffres, bon, ça vous n'allez pas nous les donner bien évidemment. Mais... la liste vous attend à la suite. Non, en termes de départ et d'arrivée, c'est pas, j'ai une idée dans ma tête assez claire de ce qu'on voudrait faire. Seulement, il y a des fois le marché dicte des choses que vous pensez pas qu'elles allaient arriver. On a aussi une politique d'opportunité, c'est-à-dire que quand vous avez un énorme talent comme Nathan Skita qui est disponible à un moment sur le marché et vous avez tous les clubs qui le veulent mais qui en ce moment-là ne peuvent pas le faire pour X raisons, c'est aussi quelque chose qu'on se réserve le droit de faire. C'est pour ça que c'est difficile de vous dire ça va être 3, 4, 5, 2, parce que s'il y a une autre opportunité comme celle de Nathan s'est présentée en janvier, c'est quelque chose qu'on regardera aussi. En janvier, justement, on avait parlé, c'était très proche, je crois, Iran Doust. Son niveau, est-ce que vous êtes toujours sur le dossier ? Il a repris le jeu la semaine dernière, après son opération. Il a été à 4 mois. Donc, on va voir comment il évolue dans les semaines qui arrivent. Philippe, ce matin, on a croisé des supporters autour du stade pour l'entraînement, pour le premier entraînement. Ils nous ont dit qu'ils attendaient beaucoup de vous. Vous avez déjà, ils mettent la pression. Voilà. Non, le fait que vous ayez, vous le dites, l'ADN en vous, que Mickaël Deveuve aussi a l'ADN du club en vous, c'est on va peut-être attendre plus vite des résultats. Oui, non, mais c'est sûr que, en plus, le TFC quand même a fait une belle saison que j'ai suivie. Donc, l'attente va être plus grande, mais quelle que soit, je pense, la pression qu'il y aura sur nous, elle sera toujours moins que celle qu'on va se mettre, parce qu'on est vraiment ambitieux, on a envie vraiment de réussir. On connaît la difficulté, puisque c'est une division difficile, et il y a au moins 7, 8, peut-être 9 équipes qui ont connu la Ligue 1 qui veulent aussi la rejoindre. On n'est pas tout seul, la concurrence est rude, mais on est conscience de l'attente. Mais ça ne va pas nous empêcher de rester extrêmement concentrés sur notre sujet. Mais cette attente, on la comprend forcément. Philippe, quelle est votre méthode dans le quotidien avec les joueurs ? Et est-ce que l'humour, très présent chez vous, agit et est utilisé aussi en psychologie et au quotidien avec le groupe ? J'irais, si on parle de... On parle plutôt souvent d'agilité managériale, c'est-à-dire quand il faut être extrêmement exigeant et dur et qu'il faut taper, on tape. Après, j'ai quand même des relations, surtout ce groupe-là m'a fait bonne impression en la regardant à la télé. J'ai trouvé que ça dégageait beaucoup
un très bon état d'esprit. Et lorsqu'on est dans cette relation-là, voilà, il faut savoir faire la part des choses. C'est vrai que de temps en temps, je suis assez proche des joueurs. Et puis d'autres fois, je suis assez cadrant, peut-être cassant quand ça le mérite. Mais bon, j'ai une personnalité plutôt communicante et j'aime bien beaucoup échanger avec mes joueurs, avec le seul objectif, c'est qu'ils optimisent leur potentiel, qu'ils puissent servir l'équipe. Question pour vous, Président. Pour revenir sur le mercato, on a parlé de joueurs qui sont en fin de contrat. Il y a des joueurs qui seront en fin de contrat dans un an aussi, notamment des jeunes. Quelle va être votre politique vis-à-vis de ça au niveau des prolongations? Est-ce que vous avez transmis des offres de prolongation? Est-ce que c'est dans votre envie de prolonger ces joueurs? Oui, bien sûr. Comme je vous disais, l'exemple d'Amine, c'est que dès le mois de juillet dernière, j'ai essayé de le prolonger. Tous les joueurs qui sont 2022, fin de contrat 2022, ont une proposition de notre part dans leurs mains, et ça depuis plusieurs mois. Donc c'est pas nouveau. Par rapport aux fins de contrat, on n'a rien proposé à Moubele et Goycochea. Par contre, on a fait une proposition, comme je vous disais précédemment, à Steven Moreira. Voilà, après, des fois, vous faites des propositions, ça ne marche pas. Mais bien évidemment, tous nos jeunes, notre objectif, c'est de les garder le plus longtemps possible. Après, comme je vous disais, c'est un peu le marché. Il y a des fois, c'est le marché qui dicte l'approche que vous devez avoir. Non pas par rapport à des offres qu'on recevrait qui seraient pas refusables, mais par rapport au fait que si un joueur ne veut pas rester et qu'il ne veut pas prolonger, à un moment, vous êtes obligé de prendre une décision de le vendre, quoi. Voilà. Donc, à des moments, la décision, ce n'est pas nous qui la prenons. Mais une fois que si c'est le joueur qui la prend pour nous ou si c'est le marché qui la prend pour nous, on essaie d'optimiser au mieux la négociation comme on l'a fait l'hiver dernier avec Manu et Mönchengladbach. Je voudrais juste rajouter un peu par rapport à votre question sur le staff. Je voudrais vraiment remercier Olivier Létang et le LOSC d'avoir libéré leur entraîneur des gardiens dans les plus brefs délais parce qu'ils savaient qu'on reprenait aujourd'hui. Et ils ont vraiment fait tous les efforts pour nous aider et puis l'aider à lui. Donc je voulais en profiter. Je voulais le dire tout à l'heure, ça m'est sorti de l'esprit. Bonjour Thibaut Calatayoud pour Actu Toulouse. Une question pour vous deux. Y a-t-il des joueurs intransférables? Et si c'est le cas, qui sont-ils? Et... Tous. On ne va pas avoir la même réponse. C'est tout? Ouais, moi aussi. C'est impossible. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un club au monde qui a un joueur qui est intransférable. Vous regardez le Bayern Munich, ils ont fait des pieds et des mains pour prolonger Alaba. À 28 ans, à 29 ans, il a signé pour 5 ans au Real Madrid. Donc, de nos jours, des joueurs intransférables, je pense que ça n'existe plus, quel que soit le niveau, quelle que soit la surface financière du club. En janvier, on a montré que... on pouvait sortir les crocs et dire non quand il fallait, parce que c'était pour le bien du club et pour le bien de l'équipe. Maintenant, tous les mercatos sont différents. Mais non, la réponse courte à votre question, c'est non, parce que c'est juste impossible dans le foot actuel, que vous soyez le Real Madrid ou Bayern Munich ou le TFC. Bonjour, Mathieu Allos pour la radio Air d'Otan. J'ai une question sur la saison prochaine. Il y a un nouvel acteur médiatique avec l'arrivée d'Amazon. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de cette arrivée dans le monde footballistique. Je laisse le président répondre. Je pense que comme tout le monde dans le foot français, comme tous les dirigeants dans le foot français, on est enchanté de voir arriver Amazon. C'est un monde de consommation qui est différent pour ma génération. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi, donc pour vous, ça risque d'être différent. L'avantage, c'est que j'ai deux filles de 21 et 18 ans, donc ça fait un moment qu'elles m'ont initié à Netflix, Amazon, etc. Quand j'avais ma fille qui m'envoyait des messages pour me tenir au courant des demi-finales de Roland-Garros qu'elle regardait sur Amazon Prime, j'ai zappé, moi je ne trouvais pas. Donc on s'y fait rapidement. Franchement, je trouve que c'est formidable de les voir arriver. Vous connaissez mon parcours, donc vous savez que je suis très au fait de ce qui se passe dans les sports à l'étranger. Et j'ai vu ce qui s'est fait en Première Ligue. On voit ce qui se fait aussi en Italie avec DAZN. On voit ce qui se fait aussi aux États-Unis depuis plusieurs années. Donc c'est un virage que sûrement le foot français devait prendre.
que l'on avait besoin de prendre, et on était dans l'attente justement de voir arriver un acteur comme celui-ci sur le marché, sur notre marché. Et voilà, la Ligue a fait, et Vincent Labrune ont fait un travail formidable pour les attirer, pour leur convaincre qu'on était le bon championnat sur lequel ils devaient investir. Mais je ne veux pas dire un plan financier, je veux dire surtout, ils investissent leur nom, leur marque, leur réputation. Et quand vous avez Ligue 1 Uber Eats associé à Amazon, ça parle dans le monde entier. Donc c'est extrêmement positif pour le foot français. Un jour, le dossier qui fâche peut-être, la DNCG. Ça ne fâche pas du tout. Bon, tant mieux. Tout à fait relax. Alors, premièrement, sur quel point le premier passage a chopé, êtes-vous inquiet? Quand repassez-vous? Alors, on n'est absolument pas inquiet. C'était juste des documents qu'il fallait fournir, qu'on a fournis dans les 48 heures après être passé. Et donc voilà, on n'est absolument pas inquiet. On est tout à fait relax. On était en discussion avec la DNCG pré-passage. On était en discussion avec la DNCG post-audition et tout va bien. Tout est réglé. Tout est réglé. Est-ce que les libérations entre guillemets de Saïd et Koulouris étaient liées? Non, absolument pas. C'est une décision sportive qu'on avait prise depuis longtemps. Le timing vous a peut-être paru parce que c'était le même jour, mais non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Vous avez dit que le budget de cette année, enfin de la saison prochaine, ou de cette saison, on va dire, était à peu près comparable à celui de l'an dernier, un peu moins. On peut tabler sur 25-26? Vous tablez sur ce que vous voulez tabler, parce que j'ai jamais donné de chiffres l'année dernière et je ne vais pas en donner cette année. On aura des revenus inférieurs. Alors, pour vous refaire l'historique de l'année dernière, on nous a enlevé, donc, comme à tout le monde, on a eu une baisse de nos droits télé de 40% avec la faillite de Mediapro. Et pas comme à tout le monde, on nous a enlevé toute l'aide variable à la relégation en droits télé, de par deux votes de collège de L1 et de collège de L2, nous et Amiens. Donc en fait, les revenus que l'on avait prévu d'avoir la saison dernière n'ont pas été au rendez-vous, pas de notre fait, bien évidemment. Et cette année, l'aide variable à la relégation était prorogée d'une deuxième année pour un chiffre moindre, mais prorogée pour une deuxième année en cas de maintien à L2, ce qui aurait dû être le cas. Et donc, cette aide variable est passée à zéro. Voilà, donc, on a des revenus qui sont moindres. On a décidé de maintenir une équipe extrêmement compétitive. On a décidé de continuer à investir. Donc, en budget de fonctionnement et en dépenses, on sera, je parle sous le contrôle d'Olivier, mais on sera à peu près, un peu moins que l'année dernière, quand même. Mais ce qu'on veut faire, c'est continuer à avoir une équipe la plus compétitive possible. C'est ce que j'ai dit à la DNCG mardi, quand ils m'ont posé la question. Et on les a convaincus. Pour être clair, l'aide à la relégation, si de mémoire, c'était 18 millions d'euros, on n'avait rien touché. Non, ce n'était pas ces chiffres-là. Donc je ne peux pas rentrer, je peux pas vous donner des chiffres. J'essaie de vous donner le plus possible sans quand même vous donner tous les éléments qui sont confidentiels. On parle d'une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros qui nous ont été enlevés. Question pour Philippe. La L2, vous connaissez bien puisque vous êtes monté, si je ne m'abuse, à la fois avec Boulogne. Lens, on peut dire que vous avez participé à 80-90% de la montée aussi. C'est quoi le secret? 88% des points. C'est précis. Statisticien parle. C'est quoi le secret pour monter? Malheureusement, j'ai pas la recette, mais je connais bien quand même cette division-là, et c'est l'équilibre entre ce qu'a dit le président d'être offensif, proactif, défensivement. Il y a vraiment un équilibre à trouver parce que c'est un championnat où il y a beaucoup d'impact athlétique, donc il faut répondre présent, mais aussi, je pense, c'est la technique et l'aspect offensif qui fera la différence. Mais chaque match est une bataille, et on voit aussi le nombre de concurrents de plus en plus important pour se hisser en première division. Je crois que vous évoluez en 3-4-3 à Lens, c'est ça? J'ai pas entendu. Vous évoluiez en 3-4-3, non? Alors oui. Alors je suis pas dogmatique. Hein. Si on veut faire l'historique, j'étais très très 4-4-2 à mes débuts. Là, dogmatique. Après,
4-3-3. Et c'est vrai que les dernières saisons, on jouait en 3-4-3. Mais Ancelotti avait une bonne formule. Il disait qu'il fallait trouver le système. C'est un peu le costume sur mesure de l'effectif. Donc, c'est un peu l'effectif aussi et les qualités de l'effectif qui servent à déterminer un peu le système de jeu. Même si pour nous, les entraîneurs, vous le savez, on vous le répète, on est plus sensible à l'animation qu'au système en lui-même. Mais je suis assez, je suis pas fermé sur les systèmes de jeu. Vous trouvez celui qui est le plus approprié à l'effectif. Bonjour, Julie Plouvier, Toulouse FM. Alors, ça va être une question un peu plus légère. C'était la rentrée ce matin. Comment vous vous sentez? Dans quel état d'esprit vous êtes? C'est comme la rentrée des classes, vous voyez. Non, c'est vraiment, on en discutait ce matin avec les adjoints. On est toujours excités. En plus, comme c'est un nouveau club, de découvrir les joueurs, de retrouver la pelouse, de refaire les séances. Donc, c'est beaucoup de joie, de plaisir, comme une rentrée des classes, comme un gamin, vous voyez, malgré mon âge. Et comment vous avez senti les joueurs ? Je les ai sentis dans le même état d'esprit, contents de se revoir, beaucoup de sourires, beaucoup d'échanges, de discussions, à tel point que j'ai dû faire les étirements à la fin en silence pour un retour au calme, mais on les voit aussi très excités à revenir. Vous nous en dire un peu plus sur l'entame de la saison, la préparation, le stage, les matchs amicaux? Est-ce que c'est a priori tout est déjà un peu au courant? Oui, bien sûr, c'est logique et c'était rassurant que tout a été organisé du stage au match qui vont suivre derrière. C'est une préparation un peu courte due à la fin de saison qui a été prolongée à cause des playoffs, mais j'ai connu ça avec Lens. J'ai connu la même situation, une préparation plus courte, mais c'est pas un problème. Ce qui était important, c'est que tous les matchs soient programmés et une grande partie du stage soit déjà déterminée. Et donc, tout est en place pour bien se préparer. Président, alors j'ai un nouveau dossier qui fâche, c'est le cas Patrice Garande. Pourquoi finalement s'être séparé de lui? Et est-ce que son cas est réglé, puisque ça a mis un peu de temps apparemment à ce que les deux parties se rencontrent? Ça a mis un peu de temps. Hein. Est-ce que les deux parties puissent se rencontrer? Parce qu'il est parti en vacances, etc. Vous êtes bien informé. Vous connaissez les dates de vacances de Patrice Garande, vous avez de la chance. Je fais mon métier. Sur les photos, il était avec. J'étais pas en Grèce. La raison, c'est qu'on avait des divergences sur la situation actuelle du club, sur son évolution. Et sur les méthodes de management. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Et sa situation, contrairement à ce que vous dites et ce que vous avez écrit, est réglée dans le strict respect du protocole et du règlement. Nous avons mis fin à son contrat de travail. C'est très récent. C'est réglé. C'était mardi. C'est réglé. Vous me dites que ce n'est pas réglé. Très bien. Je vous dis que c'est réglé. On a respecté strictement la procédure et nous avons mis fin à son contrat de travail. Coach, bonjour. Vincent Delzesco du Média Club du TFC. Vous connaissez évidemment la ville. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez hâte peut-être de retrouver dans Toulouse et dans la région, au-delà évidemment du stadium et de l'île du Ramier? Les amis. Parce que c'est quelque chose auquel je suis forcément attaché, comme vous tous. Les amis... J'aime beaucoup aussi me promener au centre-ville, parce que je trouve que c'est un centre-ville qui est magnifique, c'est très agréable. Et puis, j'ai quelques amis dans le Gers, c'est seulement pour mon régime où je suis un peu inquiet, parce que, étant donné que j'apprécie aussi les bonnes choses, le foie gras, le cassoulet, le magret, je vais devoir... Mais c'est du bon gras, donc ça compte pas. Une question pour vous deux. Peut-être, Président, vous allez plus pouvoir répondre. Nous avons remarqué l'absence de Diver Machado ce matin à l'entraînement, parmi d'autres joueurs d'ailleurs. Qu'en est-il de son cas? En fait, il arrive à 16h. Il m'a envoyé un message tout à l'heure. Mais je le savais parce qu'il m'a demandé il y a au moins une semaine avec le Sud américain, et j'en ai parlé avec Philippe hier. Si vous leur demandez de rentrer même temps que les autres, avec les déplacements, le voyage, tout ça, ils perdent un jour de vacances à l'aller, 9 jours de vacances, voire un jour et demi de vacances au retour. Donc, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, connaissant son professionnalisme et son état de préparation. Donc, il arrive cet après-midi.
Voilà. Il y avait d'autres joueurs dont vous. Oui. C'est le même cas pour les autres joueurs. Ils arrivent cet après-midi, ils ont une séance à 15h, puis ils ont eu des quelques décalages dans les billets d'avion. Oui, puis effectivement, j'ai vu des joueurs aussi en civil sur le bord du terrain. Il y avait Steve Mvoué, notamment, qui était là, mais qui ne s'entraînait pas. Steve, non, parce qu'il est arrivé à 12h30. Oui. Je l'ai vu. Oui, oui, il arrivait tard. Moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas. Il va faire la séance cet après-midi, parce que, pareil, c'est leur déplacement. Ils sont 4-5 joueurs dans ce cas-là, ils feront la séance cet après-midi. Donc, on y est, Mercato. Président, il y a aussi les retours de prêts. Donc, il y a Sidi B, Mathieu Goncalves, Leia Iseka. Quel est votre positionnement par rapport à ces retours de prêts? Alors Mathieu, nous lui avons donné l'autorisation d'aller faire des tests en Suisse il y a depuis 2 semaines ou 3 semaines. Apparemment, ça va être positif. Donc, si c'est positif, lui et son agent devraient avoir la réponse vendredi. Donc, il y aura un transfert définitif. Cali a fait une très bonne deuxième partie de saison avec Châteauroux à 2 postes, milieu défensif et défenseur central. Donc, on a suivi avec énormément d'attention son évolution et la manière dont il a progressé ou dont il a joué. Avec laquelle il a joué, pardon. Et donc ça nous a beaucoup plu, ce qu'on a vu. C'est ce qu'on recherchait, en fait, avec Ali. À un moment, on s'est dit, il est peut-être court pour faire tous les matchs par rapport à la qualité qu'on avait au milieu de terrain, mais il est trop bon pour être assis sur le banc. Et à un poste, on avait beaucoup de monde. Parce qu'il y avait Steen, la doublure de Steen. Après, il y avait Manu qui pouvait couvrir Steen. Manu, on ne peut pas dire que c'est une doublure. Sur ce poste-là, disons. Et donc, garder Cali sans qu'il puisse jouer, c'était dommage. Donc, on a eu la possibilité de le prêter à Châteauroux. Et le prêt a exactement l'effet escompté. C'est-à-dire, non seulement lui s'est développé, et puis nous, ça nous a permis de l'observer dans un contexte de L2. Comme je le disais, à 2 postes différents. Il était convaincant aux 2 postes. Donc il me tente d'avoir l'avis de Philippe sur lui, parce que je pense que ça peut vraiment être un joueur important du groupe pour la saison qui arrive. Et Aaron, pardon ? Aaron est revenu, donc Metz avait une option d'achat qui n'a pas été levée. Donc pour l'instant, il est avec nous. Coach, je crois savoir que vous êtes polyglotte. J'imagine que c'est intéressant au regard du nombre de nationalités différentes qu'il y a dans le vestiaire. C'est une force, un avantage pour vous? Oui, dans la mesure où la communication est maintenant très importante avec les joueurs, le fait de parler 3 langues, quoi, 2 langues avec le français, permet quand même d'avoir une bonne communication dans le vestiaire. Même si j'insiste beaucoup pour que tous les joueurs parlent français, même étrangers, je sais que le club a fait des efforts de leur donner des cours de français. L'objectif, c'est que tout le monde parle français dans le vestiaire. Mais c'est vrai, quand on est en one-to-one, j'essaye de parler dans leur langue maternelle parce qu'ils sont plus confortables, ça leur fait plaisir. Et puis, il y a moins de problèmes de communication sur certains mots. Donc c'est vrai que maintenant dans les vestiaires modernes il y a plusieurs nationalités et lorsqu'on parle plusieurs langues ça facilite pas mal les choses. On a vu une ambiance assez incroyable toute la saison dernière ici malgré l'absence de supporters au sein du stadium. Vous avez peut-être vu les vidéos etc. Qu'est-ce que vous attendez du soutien des supporters et de l'ambiance qui va revenir au stadium cette saison? Oui, on a vu que les joueurs quand même ont fait, je les suivais même en direct et c'était palpable, mais c'était vraiment malheureux de ne pas pouvoir partager ça avec les supporters. Et on le voit avec l'Euro, que ça change tout. Et on sait très bien que nos supporters sont capables encore plus de transcender nos joueurs dans certains moments. Mais c'est quand même à nous aussi de les provoquer. C'est à nous de montrer, de mériter ces encouragements. Mais on a hâte quand même. L'Euro nous change la vie parce qu'on n'était plus habitué à avoir des matchs avec une telle ambiance et forcément on a hâte de retrouver le stadium avec ses supporters. Président, comme les portes du stadium vont de nouveau être ouvertes, est-ce que vous pouvez envoyer un message aux supporters en matière de tarifs? Est-ce que les tarifs vont augmenter aussi bien des places que des abonnements? Non, les tarifs, alors on a rencontré les groupes de supporters la semaine dernière et on a beaucoup parlé des abonnements, donc non, ça n'a pas augmenté. Il y a eu quelques changements de secteur et
on a réorganisé un peu les tribunes et la manière dont on vend les amendements. Mais non, c'est, on reste un des stades les moins chers, L1 et L2 confondus, et c'est ce que l'on veut. C'est la politique qui est mise en place par Olivier Jaubert et ses équipes, d'avoir à la fois un stade populaire et un stade aussi qui nous rapporte des ressources en ticketing et en billetterie qui nous permettent d'investir sur des joueurs derrière, hein, parce que c'est, l'argent ne sert qu'à ça. Voilà, donc on veut continuer à mixer cet aspect très populaire et puis l'aspect premium pour les gens qui veulent acheter des places un peu plus chères, voire beaucoup plus chères. Voilà, mais je n'ai entendu à aucun moment la semaine dernière, dans la réunion de 2 heures qu'on a eue avec les groupes de supporters, les supporters se plaignent sur la tarification des abonnements. Au contraire, ils sont contents de notre nouvelle réorganisation. Notre nouvelle organisation, pardon. Président, on sait que vous étiez sensible justement au soutien des supporters toute la saison dernière. On imagine que vous êtes ravi de pouvoir à nouveau les accueillir au Stadium cette saison avec un soutien qu'on imagine tout aussi fort. Oui, alors il y a toujours l'incertitude de la jauge parce qu'on n'a toujours pas d'informations, ni du ministère, ni de la Ligue, ni de la Fédé par rapport à ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on part sur une jauge réduite. Mais la ministre de la Culture a annoncé la semaine dernière que tous les festivals culturels pourraient se tenir debout et à 100% de jauge à partir du moment de la jauge à partir du moment où ils étaient tenus en extérieur. Donc nous, on part du principe que ici, on est en extérieur, même si ce n'est pas un festival de musique. Et même si les gens sont assis, en plus, pour la plupart d'entre eux. Donc on espère vraiment qu'on puisse ouvrir à 100% de la jauge dès le 24 juillet, ou le 31, suivant si on reçoit ou qu'on se déplace. Et on sera enchanté de les revoir, parce que, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs ce matin, une des choses pour lesquelles il faut rendre hommage aux joueurs, c'est que leur attitude, leur enthousiasme, leur jeunesse, leur fraîcheur, leur envie d'aller de l'avant, le football offensif qu'ils ont présenté la saison dernière, ça a permis de reconnecter le club à sa base de supporters. Et ça, les joueurs et l'entraîneur aussi, ils ont fait énormément. Nous aussi, au niveau du club, on a mis beaucoup de choses en place, mais c'est ce qui se passe sur le terrain qui fait la différence. Et on l'a ressenti dans les contacts qu'on a tous les jours avec les supporters, grâce à l'arrivée du bus. Beaucoup de fois, même à l'extérieur, ils étaient à Dunkerque, ils étaient à Rodez pour nous accueillir. Olivier et moi, on est allés les saluer le jour du match de Nantes, je crois, et ça a été une expérience incroyable d'être au milieu d'eux. Maintenant, les revoir là et pas en dehors du stade, ça va être une expérience encore plus vivante et encore plus importante. Et ça a été au-delà du résultat de la saison dernière, enfin. Au-delà du résultat de Nantes et du fait qu'on ne soit pas monté, l'autre frustration de la saison, ça a été de ne pas pouvoir partager toutes les émotions que l'on a partagées avec nos supporters. Ça, c'était vraiment une frustration incroyable. Et ça va d'ailleurs être intéressant. Philippe, ce serait bien d'avoir ton avis là-dessus. J'ai lu une interview de Griezmann après la Hongrie, le match de la Hongrie, qui disait que les joueurs étaient plus habitués d'évoluer avec de l'ambiance, qu'ils n'arrivaient plus à communiquer, qu'ils avaient perdu tous leurs repères. Donc ça va être quelque chose d'intéressant à voir. Et puis peut-être dans la préparation des matchs aussi, le prendre en compte. Oui. Tu as vu, maintenant, c'est moi qui fais les questions. Oui, c'est un nouveau journaliste. Non, c'est vrai que j'ai écouté la même interview d'Antoine après le match de Hongrie. Et ça m'a aussi un peu interpellé, comme quoi on n'a pas été confronté encore à ça. Et on va forcément en parler avec les joueurs. Parce que apparemment c'est perturbant. Même l'entraîneur, nous, c'était une chance, on pouvait communiquer avec le joueur qui était à l'opposé sans difficulté. Et alors que lorsque le stade est plein, à 3-4 mètres, ils ne nous entendent pas. Donc ça va être quelque chose dont on va évoquer, échanger avec les joueurs pour ne pas être surpris et être prêt. Parce que le but, c'est d'être prêt pour le jour J. Mais c'est des conditions qu'on est content de préparer parce que l'ambiance, on voit bien que les joueurs, ils sont plus que sensibles et c'est important pour eux. Une dernière question peut-être. J'en vois une dernière. Il est venu avec un stock. Prochaine fois, vous lui laissez le micro. Comme ça. Parole présidentielle est rare, donc on en profite. Bon, après Philippe, on aura plus l'occasion. Un petit dernier mot peut-être sur Redbird. Si je ne m'abuse, contexte sanitaire oblige, ils n'ont jamais pu venir assister à un match la saison dernière.
Donc je suppose que cette année, c'est prévu et dès l'entrée de la saison. Alors, on n'a pas ils vont venir, bien évidemment. Il leur tarde de venir. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils viendront, mais ils viendront, c'est sûr. Et puis, il y aura plusieurs personnes qui viendront à tour de rôle ou en même temps, je ne sais pas. Mais je profite de la perche que vous me tendez pour saluer le soutien qu'ils apportent au club. Parce que quand vous avez une équipe, vous investissez dans une équipe, vous achetez une équipe qui est reléguée, ça on le savait, mais qui se retrouve dans une situation où il y a le Covid, il n'y a personne au stade, il y a la faillite de Mediapro, on vous enlève toute l'aide, 80% de l'aide à la relégation, etc. etc. Avec la DNCG qui est très exigeante dans ses demandes, qui impose une discipline au foot français à laquelle on adhère totalement, d'ailleurs, que ce soit Redbird au niveau du club, parce qu'on fait confiance à la DNCG, parce qu'elle sait qu'on sait qu'elle va prendre les bonnes décisions, qu'elle va soutenir les clubs qui sont sains, et que nous, on l'est grâce au soutien de Redbird, qui ont consenti des efforts financiers énormes depuis qu'ils sont arrivés, qui ont tout fait pour qu'on ait une équipe compétitive la saison dernière, qui font tout pour qu'on ait une équipe compétitive la saison prochaine. Donc c'est une longue réponse à votre question courte sur leur visite, mais je voulais vraiment le dire parce que c'est un contexte vraiment compliqué. Olivier et moi, bon, Olivier a déjà perdu ses cheveux, moi je suis en train, mais on est dans un contexte où on ne dort pas bien et pas beaucoup, mais nous on a de la chance d'avoir des gens derrière nous qui sont là, qui nous soutiennent, qui ont énormément de crédibilité au niveau de la Ligue, qui ont énormément de crédibilité au niveau de la DNCG, qui nous donne, et dans notre Toulouse Football Club, une énorme crédibilité. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup, messieurs. Bonne fin de journée à vous tous. Merci, au revoir.